Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Project Zomboid. Alors, donc, on va retourner dans le grand appartement, qui était plutôt pas mal. Bon, on a eu un petit souci de zombies, mais ça va. On devrait y retourner et peut-être pas avoir trop de problèmes. Allez, je parle pas plus, on se met dans l'ambiance et on est reparti. Bon, eh ben, après cette journée mouvementée d'hier, j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré, et je vais pouvoir y retourner. Ouais, je suis obligé d'y aller à pied, mais c'est pas grave. Voilà, on a plein de cadavres. Tant pis pour eux. Il y a toujours cette petite voiture très stylée. Allez, c'est bon, je m'approche. J'espère ne pas trop rencontrer de zombies. Attention, ça arrive encore. Alors, on est quand même, je pense, dans un coin où ils aiment se balader. Regardez, on en a un autre là. Allez, viens ici, toi. Ouais, ma matraque, elle commence à prendre cher. Oh. D'appartements par là, ce qui est plutôt pas mal si on cherche de la nourriture. Allez, on y retourne. On n'avait pas terminé. Allez, je reprends tout ça. Est-ce que j'aurai la possibilité, à tout hasard, de récupérer ce petit meuble? Je vais essayer de ne pas le casser. Là, je suis pas encore très très agile avec mes mains, mais bon, peut-être que... Ah ouais. Je l'ai un petit peu abîmé. Ouais, ça sert à rien. Alors... Qu'est-ce qu'on a par là? Allez, ça, je veux bien. Non, ça, c'est pas la peine. Ici, peut-être des choses qui peuvent être sympas. Ouais, c'est bon. Y a rien. Voilà. Faire gaffe, il y a beaucoup d'appartements. Ça m'étonnerait qu'ils soient tous vides. Oh. Ouais, non. Ouais, ça, je vais l'utiliser pour mon compost. Ça, ça a l'air pas mal. Allez, on va fouiller les commodes. Des fois qu'on trouve une arme. Ah, regardez ça. Je vais peut-être les vider. Je viendrai certainement récupérer du bois par ici. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah. Une petite buanderie avec des petits meubles qui m'intéressent. Ah, regardez le seau, ça va m'être utile.
Bobine de fil, aiguille. Ouais, non. Pas ça. Ouais, il y a plein de petits meubles intéressants à récupérer. Entre autres. Hop. Pour mon armurerie, il va falloir commencer à y penser. Ok. Wow, on a un appartement quand même un petit peu plus luxueux quand même, où la personne avait vraiment beaucoup de goût. Ouais, c'est très sympa. Allez, bon, par contre, les meubles, un peu moins. Mais bon. Allez, ça, toi, t'iras dans mon compost. Ouais, ça c'est un petit peu pourri par contre. Ah, on va dire que c'est encore mangeable, mais bon. Ça va vite devenir un peu dégueulasse, hein, quand même. Ça, je l'ai pas lu. Je vais le prendre. Allez, pourquoi pas. Mais on fait attention. Allez, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on avait visité celui-ci? Je me souviens plus. En tout cas, les meubles, eux, sont intéressants. Ouais, allez, on va passer à l'étage supérieur. C'est de commencer à devenir un peu plus compliqué. Ah. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite réserve. Bon, je pense qu'elle sera pas aussi sympa des freins. Tiens donc, original. Ah, il n'y en a pas qu'un. Mince. Et ça peut être pas mal, hein. Je peux prendre quand même. Encore des freins. Ok. Il y avait un spécialiste des freins ici. Non, ça j'en veux pas. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout et rien du tout. Ok. Allez, je redescends. Je vais tout mettre dans le véhicule. Bon, on trouve des trucs quand même assez sympathiques. Je vais pouvoir tranquillement organiser ma base. Ouais, mieux que je passe par ici. Un petit peu miteux ce restaurant, enfin ce burger, mais bon, après, les goûts, les couleurs. Bon, ça va, mon véhicule est pas trop plein, il y a encore de la place. Je vais peut-être pouvoir profiter encore un petit peu. Waouh, on en est ici, il reste encore deux étages. On va se dépêcher. Ah, attention derrière nous. Des fois qu'un zombie me tombe dessus. Ah, regardez. Vous savez bien. Bon. Allez. Ouais, ce genre de petit restaurant, c'était pas trop mon kiff. Ok, d'accord, au commissariat, je mangeais beaucoup de beignets. Mais j'appelle ça quand même de la malbouffe. Bon, après, de temps à autre, peut-être, mais bon, pas non plus sans arrêt. Un bon petit restaurant gastronomique, y a rien de tel. Allez. Qu'est-ce qu'on va voir par ici? Non, rien. Tout ça, ça va pouvoir être démonté. Pas non plus. Quoique la veste. Attendez, je regarde. Elle est à peu près aussi bien que celle que j'ai. Alors, on va la prendre. Car si ma veste s'abîme, au moins j'en aurai une autre.
Pareil, le style ici était un petit peu particulier, hein. Faut aimer, hein. Ah, le fromage. Ah, moi j'adore le fromage. Bon, la glace, par contre, elle est pourrie. Je vais pas la prendre. Ici, on a quoi? Ah, petit poster, tiens, pour décorer ma base, hein, ça va être génial. Ah. Non, y a rien. C'est bon. Je bois régulièrement. Ah, attendez, je vais profiter de ce petit moment de tranquillité pour manger un petit bout de fromage. Ouais, bon bah écoutez, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on trouve. Dommage et dommage. Allez, ça par contre, ça va être bon. Je vais pouvoir me faire plaisir. Il y a un zombie dans le coin, par ici, ou je sais pas. Mais en tout cas, je l'entends taper. Je vais rester prudent. Et je vais commencer par l'appartement défoncé. Ah. Je vais prendre tout ça, on va bien voir. Ce que j'ai déjà... Ah, attendez, la mécanique. Ça, c'est volume 2, la cuisine, j'ai déjà appris. Ouais, je vais peut-être pas m'embarrasser de trop de livres. Allez, j'aime beaucoup fouiller les armoires, on trouve souvent des choses intéressantes. Regardez-moi ça, par exemple. Parfait. Allez, pourquoi pas. Un petit jus de fruits. Ça, c'est pourri. Ça commence à pourrir. Hop, ça, je peux prendre. Ah, il faut absolument aussi que je termine ma petite partie réserve. Alimentaire, oh, excusez-moi. Petit seau, merci. Allez, ça par contre c'est sympa. Je vais pouvoir me faire un bon petit stock d'eau. Ouais, non. J'aurais peut-être dû vider avant. Parce que je vais peut-être essayer de venir récupérer tout ça. Ça serait quand même pas mal. Il me faut du rangement. Les armoires. Scolaire, c'est bien beau, mais je n'aime pas trop. Ah, on allait même au commissariat, et c'est vrai que ça me sort un petit peu par les yeux. Je vais faire un petit peu de changement. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Joli appartement, en tout cas. Ok. Alors. Ça, je connais... Celui-là, je sais pas. Pareil. Celui-là, pareil, je sais pas. Je vais prendre. Je devrais pouvoir récupérer pas mal de bois dans ces appartements. Ok, alors attendez, parce que là, des fois, pareil. Ah bah tiens, voilà. Ouais, je commence à connaître un petit peu les habitudes des gens. Je suis dans la police, hein, je sais très bien où est-ce que les gens cachent leurs armes. Ou tout du moins les rangent. Allez. Par ici. Ouais, j'y suis déjà allé. Bon, on a fait le tour. Allez, on passe à l'étage du dessus. Allez, c'est parti. J'entends taper. Ça doit pas être très très loin quand même. C'est pas par ici. Bon.
Ah, les bidons sont intéressants. Je pourrais peut-être les mettre pour protéger mes murs. Ouais, c'est par ici. Le bruit devient de plus en plus... Ouais, c'est là. Juste là. Ouais, ils sont pas tous sortis. Ok. Ouais, je pense qu'il y a son époux qui est dans les toilettes. Ouais, sûrement que l'un des deux était contaminé. C'était bien ça. Lui, il a déjà un pansement au bras. Ça se trouve, c'est peut-être lui qui était mordu. Et qui a mordu sa femme. C'est vrai que au début de l'épidémie, il y en a qui ne devaient pas savoir que ils allaient se transformer en zombies. Alors, attendez, parce que là, j'entends taper un peu partout. Ouais, c'est bon. J'entends taper un peu partout. Ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'ils sont encore nombreux. Ah, mince, mon sac est plein. Ouais. Allez, je suis obligé de redescendre. Ouais, c'est ici. Oh. Voilà. Allez, j'ai pas le choix. Faut que je redescende. Ça me fait faire des kilomètres. Remarquez, descendre les marches, ça me fait faire du sport. Surtout avec un sac à dos plein. Ça serait quand même bien que j'arrive à en trouver un plus volumineux. Donc je peux en mettre plus. Mais je vais pas non plus m'essouffler. Et rien. Non, c'est bon. Allez. Bon, ça va, je récupère quand même pas mal de choses intéressantes. Ça fait plaisir. Moi qui m'attendais à trouver que de la nourriture ou des vêtements. Ouais, je suis quand même servi. Armes, munitions. Des vêtements même de protection plutôt pas mal. Regardez-moi cette belle veste que j'ai récupérée. Elle est vraiment magnifique. Ah, c'est vraiment sympa. Avec ça, je me sens un petit peu plus protégé. Bon, après, évidemment, je pense qu'il faut pas grand-chose. Allez. On était dans l'appartement du fond. Très bien. Allez. Ouais, ça c'est pourri. Dommage, j'aurais bien mangé un petit peu de poisson. Bon. Mais écoutez, tant pis. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, rien d'intéressant. Ah. Ok. Il y a du monde ici. Ouais, je pense que la porte peut tenir. Allez. Je vais regarder quand même. Il n'y a rien. Ah. Tout ça dans le compost. Allez, hop. Par contre, là... Oh, bah oui, mon ami. Désolé. Voilà. Allez, il est presque 14h, je vais peut-être me dépêcher un peu. RAS, RAS. Qu'est-ce qu'on a là? Oh.
26, non, c'est la même taille de deux sacs. Non, pas ça. Casquette. Rien d'intéressant ici. Idem. Ah, du fromage encore. C'est la fête. Allez, mais bon, dernier étage. J'entends plus taper. Ah non, il y a encore un étage. Ou est-ce que ça serait le toit? Ouais, c'est le sommet. Ah, attendez, on va aller voir. Qu'est-ce que je peux trouver par ici? Des armoires intéressantes que je pourrais potentiellement récupérer. C'est sympa, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des bidons pareils que je pourrais récupérer. Ouais. Ah ok, apparemment il y en a, ils se mettaient bien. Hein. Ouais, on s'imagine bien au soleil, avec quelques bières. Un barbecue, ouais, ça manque. En protégeant bien la tour, ouais, ça peut être sympa. Allez, on redescend. On va visiter les derniers appartements. Ça j'aime bien. Ouais. Trouve des choses vraiment bizarres. Pot d'échappement, des freins, mais. Les gars, on est dans les appartements, on n'est pas dans un garage. Alors ça, je sais pas si je l'ai ou pas. Voilà. C'est bien d'avoir trouvé un pneu, mais il commence à être lourd. Hein. Clé à molette, je sais même plus si j'en ai une. J'en ai tellement. Il y a un gros rangement à faire. Allez, la porte devrait tenir, j'espère. Faut que je redescende toutes les marches. Allez, exercice, exercice, exercice. Oh. Ça maintient en forme. Il faut rester positif. Hein. Il y a toujours des bons points. Mais il y a toujours des mauvais aussi. Allez, hop. Là par contre, ça va se remplir rapidement. Ma chère petite camionnette. Je pourrais peut-être essayer de la réparer, ouais. Il faudrait vraiment que j'essaye. D'avoir ce qu'il faut maintenant pour faire de la mécanique. Donc ça pourrait être intéressant. Sécurité. Ouais, ça par contre faut vraiment que je fasse attention à bien fermer les portes derrière moi. Moi qui ai l'habitude de toujours laisser les portes ouvertes, ça va être compliqué. Hop. Allez. Voyez. Monsieur ou madame, madame. Excusez-moi, mademoiselle. Ah, le moule à muffin. Peut-être en faire. Ici, y a rien. Ah, y a rien. Dis donc, madame. Mode régime. Hein. Mécanique volume 1. J'ai appris. Ça, j'ai déjà lu. Allez. Ça, je sais pas. Je sais pas. Parfait. Ça par contre ça m'intéresse.
Oh! Eh oui, qu'est-ce que je vous disais? Hein, qu'est-ce que je disais? Ah, une bâche. Je disais justement qu'il fallait que je prenne à fermer les portes. Voilà. C'est pas pour rien. Voilà. Sympa. Ça va me faire de la déco. Parce que mon école est un petit peu triste. Donc, si je peux décorer, je vais en profiter. Oh là là, bah dites donc. C'est quoi ce... C'est quoi ce... cochon qui vivait ici? Les bidons? Tous les détritus par terre? Non mais... Y a dû laisser aller mon gars. Ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. La pêche, je sais pas. Ça, je l'ai pas lu. Eh ben, dis donc. Non, ça, c'est pas la peine. Volume 5, je crois que je l'ai, mais je vais le prendre quand même. Dans le doute. Ça, je l'ai pas lu. Non, mais il y a des cochons, hein, franchement. Alors, si ce que tu stockes ici est aussi sale, je vais peut-être pas le prendre. Hein. Oh non, la casserole, elle est mal lavée en plus. Non, mais c'était un cochon. Ah, par contre, il y a de la bière dans le frigo, ça. Il n'y a pas de problème. Allez. En tout cas, les bidons, si je peux les récupérer, je vais pas me gêner. Hop, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Eh ben ça, tiens. Je vais peut-être la mettre dans mon dos. Parce que ma pauvre petite matraque... Malheureusement, commence à être un peu abîmé. Hein. Elle devrait plus tenir longtemps. Allez, ça. Ouais, je devrais pouvoir tout finir. Ici, on va pouvoir retourner après à la base tranquillement. Je sais plus. Mécanique, volume 3, je l'ai. Allez, c'est bon. Dernier appartement. Ça, je peux récupérer. Voilà, mais d'où viens-tu, toi? Ah, la porte! Il va vraiment falloir que je corrige cette mauvaise habitude que j'ai. Et ouais. Quand j'étais encore marié, ma femme me disait toujours... Al, ferme les portes! Aïe, aïe, la porte, la porte. Et ouais. Comme quoi... Elle avait raison. Si je fermais la porte plus souvent, je serais peut-être plus en sécurité. Allez, c'est bon. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. On repart. Ouah. Il est 17h. Très bon timing. Je vais rentrer juste pour pouvoir manger.
Allez, c'est bon. Oh là, on a de la visite. Alors les petits gars, d'où vous venez? Ah, le burger est fermé, hein. Ah. Oula, attention derrière. Allez, bah dites donc. On repart. Oula. Ouais, je crois que je vais avoir à tirer. Allez, je vais passer derrière la maison, de toute façon je vais les perdre. Quand même, pour ceux qui seraient suffisamment tenaces pour faire le tour. Où on est notre générateur? Carburant 16%. Ah. Peut-être falloir que j'en remette un peu. Allez, ajouter du carburant. C'est reparti. C'est reparti. Il n'y a rien. Non, c'est bon, à mon avis. Je devrais être tranquille. Alors, jusque là, je vais pouvoir stocker ici. Carotte, c'est pourri, ça va être pourri, je vais peut-être le manger. Voilà, quelques petites traces, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça devrait passer. Pareil pour le fromage. Ah, le lait est pourri, par contre, lui. Et la tomate, pareil, berk berk, mais bon, ça se mange encore. Et un petit yaourt pour terminer le repas. Voilà. Bon, bah écoutez, hein. Non, pas là. Alors, ça. Voilà. Pour le moment, je vais stocker comme ça. Parfait. Tout ça, je vais mettre dans le compost. Après, petite séance de sport. Toc, toc. On va mettre là, ça, là. Et là. Parfait, ça peut encore se manger. Je vais essayer de pas gâcher, hein, quand même. Il a mérité une petite cigarette, tiens. Allez. Eh, c'est parfait. On va faire un petit peu de sport. Voilà, c'est bon. Ça fait du bien.
Il est quoi, 21h? Allez, un bon dodo. Neuf heures vingt. Ouais, une bonne nuit de sommeil, hein. C'est limite une grasse matinée pour moi, mais bon. Bref. Bon, je vais passer la journée à vider mon camion, peut-être à commencer à organiser un petit peu ma partie réserve de nourriture. On verra bien. Ou sinon, j'irai voir si je peux récupérer des meubles dans l'appartement que je viens de visiter. On verra s'il y a des choses intéressantes. En tout cas, je vais avoir une journée bien remplie. Bah écoutez, le petit Al, on va le laisser travailler, hein, de son côté. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye!